Manger une seule gousse d'ail à jeun, n'en mangez pas plus. Après ça, je vous assure que vous me remercierez pour toujours. Si vous aimez prendre soin de votre santé et de celle de vos proches comme cette vidéo, abonnez-vous ici pour toujours être informé de ce qui se passe sur cette chaîne et vous ne manquerez aucune de nos nouvelles vidéos. Car nous en avons beaucoup pour vous. Par exemple, des vidéos de rajeunissement de visage, des recettes de traitement capillaire, des recettes pour perdre du poids, l'augmentation des parties du corps, troubles et dysfonctionnements masculins, le blanchiment des dents et bien plus encore. Maintenant, continuons avec la vidéo. Plusieurs études et recherches ont confirmé les avantages de ce super aliment. Consommez une seule gousse d'ail par jour, vous bénéficierez de tous les bienfaits et de leurs propriétés curatives. Et ceci même sans connaître leurs composants et leurs compositions. Les Grecs s'en servaient déjà à cause de leurs propriétés médicinales. L'ail appartient à la famille des alliums et a des composés soufrés qui améliorent la santé de ceux et de celles qui le consomment. En effet, la lysine est également responsable de son odeur caractéristique. Elle contient du magnésium, de la vitamine B6, de la vitamine C, du sélénium, des fibres qui n'ont pas de calories et sont remplies d'acides aminés. Si vous regardez cette vidéo complètement, je vous montrerai à quoi ça sert de manger une seule gousse d'ail par jour. Je vous invite donc absolument à la regarder jusqu'à la fin pour ne rien rater, car malheureusement, très peu de gens connaissent ceci, connaissent ses avantages. Mais avant, dites-moi dans les commentaires, comment est-ce que vous consommez ceci, si vous aimez consommer ceci, et surtout, à quelle fréquence est-ce que vous utilisez ceci dans votre cuisine. Consommer une seule gousse d'ail tous les jours vous aideront de cette façon. En numéro 1, ceci lutte efficacement contre la maladie d'Alzheimer, aide également à prévenir diverses maladies dégénératives comme la démence. Les ingrédients qu'on trouve à l'intérieur contiennent des antioxydants qui empêchent l'action destructive des radicaux libres à l'intérieur du corps. De ce fait, il est recommandé pour les personnes qui ont un haut niveau de mauvais cholestérol, le LDL, ainsi que pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. Ceci peut également prévenir les maladies cardiovasculaires cérébrales, les hypertensions artérielles. Avant de continuer, je vous invite à partager ces conseils avec tous vos contacts pour qu'ils puissent découvrir et profiter de ceci via WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, bref. N'hésitez pas à partager. J'aimerais aussi savoir de quelle ville est-ce que vous regardez nos vidéos, de là où vous nous accompagnez, de là où vous nous soutenez. Vous savez combien cela me réjouit. En numéro 3, ceci détoxifie le corps. Les métaux lourds qui s'accumulent dans le corps par la nourriture ou même par la pollution de l'environnement peuvent être atténués en consommant du soufre, qui est l'un des composants de l'ail. En numéro 4, ceci aide à combattre les virus. L'ail lutte activement contre le rhume, la douleur de la gorge, et surtout ceci réduit la durée des symptômes d'environ 70%, ce qui est vraiment pas mal. En numéro 5, ceci améliore la santé osseuse des femmes. Sachez que l'ail réduit les problèmes typiques de la faiblesse osseuse liée aux ménopauses. En numéro 6, ceci améliore les performances mentales et physiques. Depuis les temps anciens, l'ail a été utilisé pour réduire la fatigue, augmenter la productivité des travailleurs et même des athlètes. Par exemple, les anciens athlètes olympiques grecs qui consommaient l'ail avant leur course avaient des résultats très supérieurs à la moyenne. Un autre avantage, j'aimerais vous signifier que l'ail est également un anticoagulant qui prévient les cancers de l'œsophage, du côlon, de l'estomac, améliore la santé des articulations en atténuant les symptômes de l'arthrite. Ceci aide par exemple à la décongestion des poumons et à éviter les problèmes rénaux ou même encore les problèmes urinaires. J'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos. Ceci permet une fonction hépatique optimale et élimine la constipation. Élimine aussi les parasites ou même les vers contenus dans le corps. Régule le taux de sucre dans le sang, traite l'herpès, l'eczéma, empêche l'augmentation de l'acide urique qui provoque la goutte, les rhumatismes. Traite les problèmes de veines, de varices, réduisent l'anxiété et prennent soin du système nerveux. Quelques études scientifiques indiquent que pour profiter des bienfaits de l'ail, ils doivent être consommés crus. Même si, en parallèle, d'autres études qui sont contradictoires indiquent qu'il faut les cuire pour les consommer, parce qu'ils sont plus digestes et développent certaines autres molécules. En fait, l'ail contient plusieurs composés, certains restent actifs dans l'ail cru et d'autres ont besoin de chaleur pour s'activer. Par exemple, éviter l'incidence des tumeurs, il est recommandé de manger ceci cuit. Une technique qui évite la perte des nutriments, d'abord, vous épluchez votre gousse d'ail,
Vous laissez reposer pendant 45 minutes. Pendant cette période, la lysine qui sera libérée ne pourra plus être détruite, même pendant la cuisson. Donc voilà, consommez désormais une seule gousse d'ail tous les jours et vous remarquerez la différence sur votre corps. Vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. Je vous invite à partager ce contenu pour que ça touche un maximum de personnes. Likez, commentez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le. Bisous, bisous.